On est tous déçus. Après, on se repose et puis on repart. Hein. Faut repartir. Hein. Il reste 2 matchs. Faut bien finir la saison. Ça passe par une victoire déjà contre Brest pour rester devant Nice. Et après, il restera Nantes. Hein. Non, je sonne des personnes. Hein. Non. Moi, je vois, il y en a certains qui sont fatigués, il y en a d'autres ils sont déçus. Ah, il faut se remobiliser pour faire un bon match contre Brest. Et eux, ils jouent leur survie aussi. Voilà, ça va être un match pas facile. Et il va falloir rebondir. Et bon, on a des choses à jouer encore. Hein. On a la 8e place à garder. Alors, à nous de faire ce qu'il faut pour garder cette place. Hein. Non. Quand tu perds une demi-finale, t'as les glandes. Hein. T'as les glandes. Tu penses que moi, je suis très, très déçu, mais les joueurs aussi sont très déçus. De pas aller au Stade de France. Hein. Non, mais déjà, ils ont récupéré hier, aujourd'hui, et demain, on va se remettre dedans. Hein. Ouais, bien sûr, tu passes quand tu passes 22 ans de ta vie dans un club et que tu dis eh ben, la semaine prochaine, l'aventure est finie. Hein. Bien sûr qu'il y a des trucs qui te reviennent en tête, mais bon, on va se reposer, ça va être les vacances, on va récupérer un petit peu et puis. J'espère qu'on repartira, quoi, c'est tout. Qu'on repartira. Non, Donc, non. Une belle sortie à Michel, est-ce que non, c'est. Mais, non, non. J'attends rien de rien. J'attends d'eux qu'ils aient l'objectif de rester dans les 8. C'est ça le plus important, c'est ça. C'est pas. Le joueur ne va pas jouer pour moi, il va jouer pour lui. Et pour l'équipe, voilà. On continue à garder l'état d'esprit qu'on a affiché depuis le début de saison et qu'on a envie de faire trébucher Brest pour rester devant. Non, il est déçu comme les autres. Hein, et après, il n'est pas plus déçu que les autres. Ça arrive de manquer un penalty, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Hein. Malheureusement, c'est tombé sur lui, mais bon, c'est dommage. Non, déjà le fait d'avoir changé à la mi-temps, je pense que Stéphie a fait une bonne entrée aussi. Après, les changements, c'est des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est pas. Mais j'aurais pu changer plutôt aussi Arnaud. J'ai hésité, mais bon. Comme on subissait beaucoup, je sais pas si on a eu beaucoup d'avantages d'avoir changé Souké plus vite. J'aurais pu changer Souké plus vite aussi, mais bon. Mais on subissait beaucoup et on avait du mal à récupérer le ballon. Voilà, on avait du mal à s'articuler pour être. À récupérer, on n'était pas compact et trop d'espace, on laissait trop d'espace. Non, mais oui, déjà physiquement, il était un peu mieux. Et son match à Strasbourg il est pas mal. Après, pas plus, hein, c'est bien ce qu'il fait. Après, on a connu Damien bien meilleur aussi. Mais quand des fois tu n'as pas trop la tête, les jambes suivent moins. Hein. Oui, dans ma tête, oui. J'étais parti, j'avais ça en tête depuis 10 jours avant. Ouais. Mais après, des fois tu fais des choix qui sont valables, des fois tu fais des choix qui sont moins bons. Ouais. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est comment les joueurs ils vont l'animer.
Après, on joue contre un joueur qui a des jambes de feu. Voilà. Il n'a pas joué contre Lens. Lens a bien défendu. Il a 5 mètres de retard et il avait 2 mètres d'avance après. Qu'est-ce que je te dise? C'est un félin. Et derrière, il la met bien quand même, hein, parce que Dimi il est bien placé. Il la met sous la barre, pied gauche. Ah, c'est la classe des grands joueurs. Hein.